Bonjour, heureux de vous retrouver dans ma chaîne Histoire du soir. Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait nouveau, d'une nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle, d'un fait qui s'est passé il y a quelques jours. Avant d'en parler, je veux revenir en arrière, qui est sur une histoire qui est un peu analogue avec l'histoire d'aujourd'hui. Sur cette histoire se passe en Italie, dans une localité où un enfant s'est lié d'amitié avec un dauphin. Comment cette amitié s'est nouée? C'est cet enfant qui devait aller à l'école chaque matin, et entre là où il habite, la maison où il habite, dans son village, et l'école où il doit s'y rendre, il y avait un grand lac. Donc il doit contourner ce grand lac, ce qui fait un très grand temps pour arriver au but vers son école. Donc au fil du temps, il a noué une amitié avec un dauphin. Un dauphin qui l'emmène à l'école. Et ça a pris un bout de temps. Jusqu'à un jour où la famille de cet enfant a déménagé de cette localité. Donc, l'enfant ne peut plus rencontrer son dauphin, et le dauphin, fidèle au rendez-vous avec son ami, l'humain, ce garçon, venait chaque matin pour emmener cet enfant à l'école. Mais il ne le trouvait pas. Premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ça a duré presque une semaine. Le dauphin s'est éteint par mélancolie à cause de la disparition de son ami. Ce garçon. Voilà une grande amitié entre un enfant, un garçon, un humain et un dauphin. Et je reviens à l'histoire d'aujourd'hui qui est analogue et c'est beaucoup plus extraordinaire parce que il s'agit d'une amitié d'un marin avec un requin blanc. Et qui dit requin blanc, c'est un mammifère de grande envergure, vorace, tueur d'hommes, et tel qu'on l'a vu dans des films, ou dans des pubs, ou dans des images, ou dans des vidéos, c'est un animal vorace qui arrache les pieds, qui arrache les bras, qui est un fond et un grand admirateur du sang. Mais voilà pourquoi cette amitié s'est nouée, c'est que ce marin a libéré ce requin blanc qui est une femelle des filets. Et cette femelle, requin blanc, n'a pas oublié cet acte de bienfaisance envers elle et il venait. De temps en temps, chaque fois qu'il voit le marin, il vient vers lui, vers sa barque, et elle tourne le dos à la mer et lui montre son ventre. Et le marin passe sa main très douce sur le ventre de cette femelle. De telle enseigne que ce marin disait que, en racontant cette extraordinaire histoire, que les marins avaient peur
de ce requin blanc femelle et il ne sait pas comment faire pour éloigner, mais c'est voilà. C'est une amitié qui s'est nouée avec d'un humain avec un requin blanc inimaginable. Voilà, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Voilà, c'est un mammifère, voilà un animal qu'on croit qu'il est vorace, qu'il est féroce, qu'il ne croit ni à l'amitié, ni à l'amour. Voilà, qu'il montre un sens de la fidélité, de l'amitié et de l'amour. Et voilà. Est-ce que ce sens de l'amitié entre humains, reste encore? Est-ce qu'on trouve des amitiés de cette grandeur, de cette fidélité? Et l'animal nous a montré toujours cette fidélité avec les chevaux et même plus encore l'amitié légendaire avec les chiens. Voilà. On doit en tirer beaucoup de leçons. Merci à votre attention. Merci pour votre fidélité. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, partagez mes vidéos avec vos amis et vos proches pour que je continue à vous raconter de nouvelles histoires, de belles histoires. Merci, à très bientôt. Salam alaikum.